Au Puy, de nombreuses structures d'hébergement existent pour les étudiants. Cet établissement est l'une des résidences gérées par RJ43. RJ43 est une association qui s'est donnée pour but de donner des logements et de l'animation à des jeunes étudiants ou des jeunes travailleurs. Alors, ce sont des logements de type T1 et T1 bis. Les T1 sont composés d'un petit coin cuisine, d'un lit, une armoire, un bureau, une douche et un lavabo. Les T1 bis sont un petit peu plus spacieux et ont à l'intérieur les toilettes. Alors, les services proposés, d'abord, ils ont des salles communes à leur disposition. Ces salles communes sont soit des salles jeux, salle billard, salle télé, salle informatique avec deux postes informatiques avec internet. Il y a aussi une laverie avec une machine à laver et un sèche-linge. Ils achètent des jetons au bureau et ils peuvent ainsi faire leur lessive et la faire sécher. Alors, en fin d'année scolaire, c'est-à-dire au mois de juin, tous les jeunes étudiants qui étaient rentrés dans la résidence vont partir. S'ils veulent revenir l'année d'après pour continuer leurs études ou pour des nouveaux faire leurs études, ils ont tous un dossier social étudiant, un DSE, à faire par internet avant le 30 avril. Donc tous les étudiants, normalement, ont connaissance de ce dossier, il est fait, et ça passe par le CROUS, c'est sur critères sociaux, et le CROUS nous envoie une liste. RJ43 propose des animations, véritables moments de rencontre, créant une vie conviviale au foyer.